Was wäre, wenn wir alles absetzen? Wie kommst du drauf, einfach ohne mich zu entscheiden? Du warst ja nicht da. Ich finde das ziemlich gewagt. Ich kann einfach nicht aufhören, ein zweites Kind zu denken. Für dich. Bonjour Stina Werenfels, merci de nous recevoir aujourd'hui. Vous êtes réalisatrice, vous êtes originaire de Bâle en Suisse et votre dernier film, le troisième, Dora ou les névroses sexuelles de nos parents, vient de sortir en France le 7 juin dernier. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui, au lendemain de ses 18 ans, commence à découvrir sa sexualité, remettant en cause l'ordre familiale et aussi l'ordre de la société en général. Avant d'arriver à ce film précisément, j'aimerais juste revenir un tout petit peu en arrière sur votre formation de pharmacienne. On ne s'y attend pas forcément. Alors comment, et d'ailleurs le thème de la médication, de la médecine est très présent dans vos films, court comme long. Donc comment vous êtes passée de la pharmacie au cinéma ? Alors, comme toutes les choses ça fait, dans la vie, c'est pas tout clair et simple et direct, surtout pas mon chemin, parce que c'est pas évident si on étudie la pharmacie de tomber sur le film. Mais en regardant en arrière, je vois des choses parallèles. Dans la pharmacie d'abord, dans la formation, il y a l'analyse. Il faut analyser la substance. Dans la deuxième année, il faut faire la synthèse des substances, et dans la troisième année, il faut faire la vente de la substance. Alors, dans le film, c'est un peu la même façon. Comme je travaille, je fais la recherche, puis je fais la synthèse de my insights, comme est-ce qu'on dit en français, de mes découvertes, oui, et puis je dois faire la vente, comme actuellement, quand le film est en salle. Je touche toujours, je creuse toujours des sujets qui ont aussi un aspect social, politique. C'est ça qui m'intéresse. Le privé dans le public et l'inverse. Mmh. Comme dans Dora d'ailleurs. Mais oui, justement, ce qui est très intéressant dans Dora, c'est justement que cette première fibre documentaire se retrouve dans la manière de filmer, et dans la narration, vous êtes très très près des visages, souvent de face. Vous êtes un peu l'envers des Dardennes, qui suit à l'épaule leur personnage. Vous êtes frontal avec eux. C'est leur visage, leurs yeux, leur bouche, leur corps, leur chair, très très important. Alors, qu'est-ce que vous exprimez par ce côté, ce rapport si accolé à l'humanité des personnes, mais de leur humanité concrète? Peut-être j'étais très imprégnée par John Cassavetes. C'était vraiment, quand j'ai découvert John Cassavetes, j'étais loin de faire film. Mais il y avait quelque chose dedans, cette humanité dans le visage humain qui m'a vraiment frappée, touchée. Et lui, il travaille aussi d'une manière presque documentariste, mais c'est toujours la fiction avec les comédiens. Et je me sens très à l'aise avec ça parce que les comédiens adorent de se plonger dans ce style de travail qui les prend au sérieux. Je crois parce que c'est la vérité, qu'on est dans la recherche de la vérité dans un visage. Où est le mensonge, comme dans les bancaires que j'ai montré avant, et où est la vérité dans, par exemple, Dora et son désir de la vie. C'est aussi peut-être ma fin comme artiste, que j'ai ce désir de projeter, de m'associer à l'être humain qui, dans sa douleur et son désir et son abîme, je crois c'est ça. Mais c'est toujours très, très personnel, les désirs artistiques. Il y a des autres qui font la recherche dans l'inverse, comme vous avez décrit. ce qui est assez intéressant, c'est que ce rapport à l'intime s'articule avec une question quand même sociétale. Dans Dora, pour moi, c'est un film éminemment politique, pas au sens de la... Merci. Voilà, c'est pas politicien, mais ça pose la question de la police, la cité, des rapports humains au sein d'une même communauté, qui en plus est très présente au niveau de la famille dans le film, mais pas que. Donc, d'abord, ce film est né d'une loi en Suisse, si j'ai bien compris. C'est pas qu'en Suisse, cette loi, mais c'était une coïncidence que jusqu'à 100 ans après que la loi a été révisée, j'ai fait le film. Et dans quel sens elle a été révisée? Elle a été révisée que la loi a exercé un pouvoir sur les gens avant, sur les gens handicapés, dans le sens qu'il fallait protéger la société de l'handicap. Il y a le consensus sur le papier qu'un être avec l'handicap a le droit de s'exprimer, d'avoir l'éducation, de forger son futur. Ça veut dire d'avoir même une famille, comme Dora le désire d'ailleurs. Mais c'est là où les conceptions de la société sont contradictoires. Et de plus en plus, les gens avec l'handicap deviennent les vedettes sur l'écran. De moins en moins, ils sont nés, parce qu'ils sont avortés après être nés. Alors c'est encore une contradiction et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Tandis qu'avant, il y avait l'ordre de la société qui était dicté par l'Église, par les institutions comme l'État. Aujourd'hui, il n'y a plus cet ordre. Ça veut dire que le monde est devenu plus individualiste et le plus haut valeur, c'est vraiment l'individu dans sa liberté qui s'exprime. Voilà. C'est plus la discipline dans la masse, comme avant, comme Foucault en parlait. Mais on paye pour cette liberté aussi, dans le sens qu'on devient plus seul. Cette mère, dans notre film de Dora, elle est très très seule. Pourquoi? Parce qu'elle doit prendre tout le temps la responsabilité. Il y a toujours l'option de faire comme ça ou comme ça, parce que le médecin dit « C'est vous la mère ? Je peux que vous dire, oui, si vous cessez les médications, c'est vous la mère, vous décidez. » Alors, sur le film, la question des relations, moi ça m'intéresse beaucoup. En fait, ce qui est très frappant dans vos relations, que ce soit donc le père, la mère, leur fille Dora ou Peter, les quatre personnages principaux, tous semblent avoir des relations atrophiées les uns avec les autres, sauf Dora. Dora qui n'a pas de filtre. Alors, ma question, c'est comment vous, en tant que réalisatrice, vous regardez... Enfin, ça peut être très inquiétant si vous regardez les relations comme ça, si vous les vivez même vous comme ça personnellement. Est-ce qu'il faut, être dans un regard purement intuitif, sans filtre, pour vivre une relation à l'autre? Je crois que ce n'est pas possible à la longueur, parce que le filtre, c'est aussi une protection. Et surtout comme mère, je suis aussi mère, on ne peut pas toujours être dans la réverbération avec son enfant. C'est épuisant, c'est pas sain. Même si on veut vraiment pas protéger son enfant tout le temps. Mais évidemment, ce filtre est aussi souvent pour ne pas vraiment entrer dans l'enjeu humain. J'ai répondu à votre question. Mais ce que je crois que je comprends mieux que ce que vous avez demandé, c'est que comme réalisatrice, je fais tout le voyage émotionnel de toutes les personnages. Et évidemment, c'est très, très épuisant. Et souvent, ça vient avec la honte, la peur... l'indécision, etc. Mais ça fait partie du procès créateur. Mmh. Mais vous-même, la relation, vous la placez où? Dans votre... Enfin, je veux dire, quelconque... Enfin, moi, comme personne? Comme personne, exactement. J'étais très pessimiste à l'époque, puisque je viens justement d'une famille très conflictueuse où les relations n'étaient pas quelque chose où on pouvait être sûr au-dessus. Je deviens un peu personnelle parce que vous avez demandé une question personnelle. J'avais un père qui était bipolaire, alors c'est très difficile de créer une relation avec quelqu'un qui est bipolaire. Parce que chaque jour, on se retrouve dans une différente relation avec cette personne. Alors, c'est très inquiétant. Et là, d'ailleurs, j'ai aussi passé toutes ces émotions que Dora passe avec sa mère, puisqu'on veut protéger quelqu'un et en même temps, on ne peut pas toujours. Et cette protection est aussi un moyen de contrôler la personne qu'on aime. Et puis, j'ai âgé un peu et la vie m'a offert une très belle chance d'entrer dans les relations stables et d'avoir une fille où j'essaie d'avoir une relation stable, surtout pas trop symbiotique. La question de la maternité oui, dont vous parlez personnellement là est très très présente dans le film, puisque la maman ne peut pas avoir d'enfant. La maman de Dora, quand Dora, elle, va connaître deux grossesses, enfin une qui est conclue rapidement par un avortement et une autre qui va aller à son terme. Oui. Donc la maternité, c'est aussi un lieu où vous avez, où vous voulez exprimer quelque chose spécifiquement, où c'était vraiment relatif à la question du handicap, où ça a été intégré. L'un et l'autre, c'est très proche. Parce que le moment où on est enceinte, on devient un cas médical dans notre société. On ne questionne pas si on veut faire toutes les analyses prénatales, mais c'est quelque chose qu'on fait et on prétend que c'est pour vous la mère, pour vous protéger, mais en effet c'est pour protéger la société d'un individu qui pourrait coûter la société. Alors le corps féminin est déjà... Parce qu'il est handicapé. Oui. Exactement. Et le corps féminin est déjà un territoire qui est traité comme un objet capitaliste. Ça veut dire où est-ce que ce corps peut nous rendre des épargnements et où est-ce qu'il va nous coûter. Est-ce que l'enfant sera performant ou pas? Voilà. D'un autre sens, j'ai aussi vu que les mères... On les demande d'avorter s'ils ont des enfants handicapés. C'est vraiment ça, c'est devenu le normal. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait toute cette analyse si on veut garder l'enfant n'importe dans quel état il soit né? Et si les mères ne font tout pour cet enfant, le moment où il est né, ce ne sont pas de bonnes mères. Et l'idéologie sur la maternité, c'est devenu quelque chose d'incroyable. Et j'essaie encore de comprendre pourquoi. Je crois que quand les temps deviennent un peu plus compliqués, la première réaction, c'est la réaction sur le centre de la société, le nucléus, c'est la famille. Et là, on cherche et on trouve les coupables. Et c'est évidemment... Du premier plan, c'est les femmes, les mères, qu'on culpabilise. N'importe qu'est-ce qu'elles font. Parce que de loin, on sait toujours qu'est-ce que c'est une bonne mère. Voilà. D'ailleurs, votre film est centré sur les mères. Enfin, je remarque que vous restez quand même très extérieur aux hommes, que ce soit le père, dont on n'a quasiment pas parlé. Preuve déjà qu'il y a un rôle de l'absence chez lui, on y reviendra peut-être sur une autre dimension, et puis de Peter, l'amant. Face à cette extériorité par rapport aux hommes, vous développez un regard beaucoup plus intérieur pour les femmes, dont on voit souvent des visages de très près chez Christine, et puis évidemment le choix d'une caméra qui regarde comme Dora voit le monde, avec le côté flouté, le côté très proche des objets, cet escargot en énorme, cette robe qui tournoie, tout est très très près. Donc ces deux points de vue avancent parallèlement dans le film. Oui, parce que c'est cette dyade de la mère et la fille qui est au centre. Et là, je ne peux pas servir tout le monde de l'intérieur, même si... ce n'était pas un reproche, hein. C'était une constatation. D'accord, d'accord. Non, non, je ne suis pas défensif, mais si, je défends un peu pourquoi j'ai choisi d'entrer dans cette dyade. Il y a un certain moment, il y a un objet dans le film, ce sont les boules de Newton. Quand une boule est mise en action, elle a une réaction sur l'autre. Et ça va comme ça. C'est un jeu connu. Et c'est pour moi le symbole de cette relation symbiotique qui est en train de s'ouvrir très violemment et très douloureusement, mais ainsi que c'est nécessaire. Alors, voilà. C'est le centre du film. Que voulez-vous ? La relation mère-fille est certainement le cœur du film. Il y a aussi la relation de Dora avec Peter. Donc. Alors là, vous jouez sur une autre frontière. Mm-hmm. Je vais un peu titiller cet endroit-là. C'est-à-dire que vous jouez sur la frontière de la relation amoureuse, notamment celle du consentement. Et vous voyez forcément là où je vais arriver, c'est cette première relation sexuelle qu'ils ont, mm-hmm. qui est un viol. Un viol qui n'est pas vécu comme tel par Dora, en tout cas, ça, il semble pas, mais que les parents vivent comme tel, bien qu'ils ignorent comment ça s'est passé exactement. Et comment appréhendez-vous ce lieu, enfin, alors évidemment, vous allez faire évoluer la relation, mais comment vous appréhendez ce lieu du viol où un homme profite d'une fille qui n'est pas en état de se défendre, et une fille avec cette question du handicap, et comment vous avez envisagé cette scène à la fois de l'intérieur du couple et en lien avec les parents. Enfin... Ça, c'est vraiment la scène clé du film thématiquement. Et c'était très difficile, pas la mise en scène, mais comme réalisatrice, de vraiment entrer dans ce moment violent où Peter, joué par Lars Eidinger, vraiment utilise le moment et... il y a un autre mot en français que je trouvais aussi très... De la point de vue des parents et de mon point de vue comme mère, c'est un viol parce qu'il profite du moment. En même temps, alors je le filme comme un viol, mais il y a aussi le moment subjectif de Dora qui est complètement dans la recherche de la sexualité et qui n'est pas préparée puisque c'est la première fois qu'elle sorte... Quel sentiment vient avec la sexualité, alors elle est dans l'état d'observation. Et l'unique façon dont j'ai pu, pour moi, exprimer cette ambivalence de valeur morale, c'est de filmer de la point de vue de Dora et de la point de vue de l'extérieur de ces deux. Une autre question qui m'a beaucoup, moi, personnellement interrogé durant tout le film, c'est la place de la liberté. Mmh. Donc, où est la liberté dans votre film? Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est une question que vous vous posez? Est-ce que ça a une importance? C'est une question très intéressante. Où est-elle? Je crois que je la montre... dans les moments où Dora se prend vraiment, elle saute dans la vie avec une joie qu'on a perdue un peu. Et même c'est une liberté gratuite. C'est quelque chose, c'est pas la liberté de la consommation, pas le choix de la consommation. Et si vous aviez une position sur cette question dans ce film, c'est clairement... le conformisme que je batte, c'est quelque chose qui me frappe. Le conformisme, tandis qu'on est tellement fiers de notre liberté dans la société. Mais si vous voyez quelqu'un rit trop fort, déjà c'est... On dit que c'est vous qui riez trop fort. Oui. Vous avez cette réputation-là. C'est ma réputation. Seulement, les comédiens dans le théâtre aiment beaucoup quand ils m'entendent dans la salle. Mais déjà, il faut très peu de choses. Et imaginez-vous si vous avez un handicap ou si vous avez la peau foncée. Hein, c'est déjà quelque chose qui vous jette dehors de toutes les obligations contemporaines de confirmer à ce que la majorité vous demande d'être. Et ça, je trouve, c'est un moment aussi assez dangereux, que cet individualisme est tombé dans quelque chose de très, très étrange. Le tattooing, c'est devenu... même si ça peut être très, très beau, etc., mais c'est devenu comme quelque chose de très conformiste. Alors la rébellion tombe toujours dans l'opposition, comme Adorno a écrit déjà, mmh. Ouais. Dialectique de l'Aufklärung. Ça m'a marqué beaucoup, ce livre. Mmh. Si on peut parler un peu de juste de... Parce que dans votre casting, ce sont tous des comédiens professionnels, sauf une... et pas la moindre. Mmh. Donc j'ai quand même envie qu'on en parle tellement elle est très, oui, vraiment impressionnante dans le film, c'est Victoria Schulz. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'elle, comment vous l'avez choisie et pourquoi elle? C'était vraiment un autre monde quand j'ai vu Victoria Schulz. Parce qu'elle jouait, je crois qu'elle a emballé une pomme, parce qu'elle a eu un casting sur le marché, c'était une scène sur le marché, et la pomme est tombée, et la façon dont elle a essayé de faire tout bien, c'était la Dora, ma Dora. Mm. C'était évident de la faire travailler, enfin, ça s'est fait facilement, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude des tournages, qui n'a même pas l'habitude de la scène. Il y a quelquefois des miracles. Pour moi, c'est très intéressant parce que j'enseignais aussi le jeu à l'école à Zurich, les gens du théâtre pour le film. Et on peut vraiment travailler fort avec beaucoup de monde pour vraiment achever quelque chose d'intéressant. Mais avec Victoria Schulz, j'ai su tout de suite, c'est exceptionnel, il ne faut pas abîmer ce qu'elle porte en soi. C'est plutôt, il faut protéger cette fraîcheur. Il ne faut pas la tordre, presser dans quelque chose. Il ne faut pas travailler dans la façon classique, biographiquement, psychologiquement. C'est vraiment son impulse qui compte. Et en même temps, c'est quelqu'un de très intelligent. On peut parler... sur le rôle très profondément, mais elle n'a même pas besoin, parce qu'elle transforme tout directement dans le jeu. Et ce film-là, vous l'avez fait quasiment sans aucune subvention? En tout cas, initialement, ça a été un parcours... un calvaire. Maintenant, en rétrospective, je crois, c'était un peu ce scénario et ce film, c'était un peu comme un enfant handicapé. On fait toujours le voyage de son personnage du film, de son personnage principal, que ce film, ils ont voulu avorter mon film, comme il y a des avortements des enfants handicapés. Et quand j'ai compris ça, c'était beaucoup plus facile pour moi, parce que j'ai compris que ce n'est pas contre moi, mais c'est contre vraiment ce sujet et la façon dont je traite le sujet, parce qu'au moment où il y a une hausse du traitement du handicap dans le film, mais c'est souvent dans la comédie. On a eu pas mal de Rainman, quoi. Comédie, mmh. Rainman, mmh. Tout se passe bien et on n'entre pas vraiment dans les vrais conflits. Et les vrais conflits jouent dans la sexualité de l'handicap. En tout cas, ils révèlent, oui. Ils révèlent. Et je crois que c'est le tabou qui est derrière la sexualité, c'est le tabou de la procréation dans l'handicap. Hmm. Ça fait peur. C'est quelque chose qui fait vraiment peur. Là, vous parlez du fait de donner naissance à une personne handicapée ou le fait que les handicapés eux-mêmes, les personnes handicapées, puissent avoir des enfants? Les deux. Les deux. Est-ce qu'on peut laisser, est-ce qu'il est juste de laisser une totale liberté de choix à Dora seule? Voilà quel est le point de ma question. Je crois qu'on ne peut jamais laisser la liberté de choix à quelqu'un seul. On est des êtres sociaux. Et je crois dans juste cette question, il y a le cœur utopique dans ce film. C'est que ça veut dire que en Afrique, on parle que chaque enfant a besoin d'un village pour être, pour agrandir. Mm. Et voilà, l'utopie pour moi, c'est que moi, je ne vais pas être la seule pour éduquer ma fille. Je trouve, dans une société occidentale, voilà. cette société de village n'existe pas. Il fallait partager plutôt les responsabilités. Mais c'est aussi possible. Je crois que c'est possible parce qu'on entre maintenant dans une étape où les mères sont prises responsables, qu'elles-mêmes font tout pour un enfant. Elles assument aussi ce rôle-là. C'est hallucinant si on voit comme certaines mères assument ce rôle de possession et de responsabilité. Et ça devient très toxique d'ailleurs. Mmh. Même dans les sociétés comme ici, on peut partager le poids de l'éducation d'un enfant. Et d'ailleurs, c'est très bien pour l'enfant. On ne peut pas contrôler tout. Il n'y a aucune sécurité. Moi, je viens d'un pays, pas seulement des banques, mais des assurances. Tout le monde veut s'assurer contre tout. Voilà. Mais c'est la vie qui, parfois, est plus forte. La procréation est plus forte. C'est le triomphe de la vie, d'une certaine manière. Et si c'est réel ou pas, c'est une proposition. Mmh. Sans jugement.